À Malakoff, y'a un troc qui est bien de chez nous. Banquette en cuir beige et Sandra 3 sous. Sandra n'y a jamais posé son cul, j'y ai posé le mien. Deux fois et ça m'a plu, jamais rien vu d'aussi ordinaire que ce café lait ou des types austères. Mat par la vitre, les filles de Malakoff, les filles café au lait au volant de leur Golf. Je conseille pas aux dépressifs de s'y rendre, sauf si une poutre leur manque pour se pendre. Auquel cas ils trouveront bien un client zélé, capable de confectionner un nœud coulant serré. Une fois la corde au cou, faudra plus faire le fier. Au café Loustalou, on ne se pend pas pied à terre. L'agonie distraira les fumeurs attroupés et les dissuadera d'arrêter la clope et le tiercé. Au café Loustalou, y'a pas de loulou, y'a pas de voyou, y'a pas de zoulou. Y'a un grand fou que les flics décrochent avant de prévenir les proches que bientôt sonneront les cloches. Au café Loustalou, y'a pas de loulou, y'a pas de voyou, y'a pas de zoulou. Y'a un grand fou que les flics décrochent avant de prévenir les proches que bientôt sonneront les cloches. À Malakoff, y'a un troc qui est bien de chez nous, un troc et au doux nom de Café Loustalou, dont la clientèle s'est récemment étoffée d'une demi-douzaine de bons officiers de police. Évidemment pas aux heures de service, aujourd'hui à Loustalou ils poursuivent l'exercice qu'ils ont débuté ce matin en serrant des paumes quand le commissariat planchait sur le péril jaune. D'un commun accord avec les initiés du coin, les officiers décident de dresser le chien. À bouffer le premier bridé en manque de tabac, Oustela Loustalou se méfie des Chinois. Le patron essaye en vain de calmer l'assemblée, de la ramener docile à la raison du godet. Rien à faire, son chien rage contre sa maîtresse, il se dit qu'il est temps de lui dévorer la fesse. Et le gros chien blanc du patron déteste entendre parler chinois. C'est embêtant car sa femme est bien de là-bas. Et le gros chien blanc du patron déteste entendre parler chinois. C'est étonnant du chinois. Et il aboie, il aboie, il aboie, il aboie. Il a bu son pichet avant d'avoir l'idée d'aller libérer tous les clébards du quartier, retenus dans les caves des restos soupçonnés de maquiller nos amis en canard laqué. Le canidé toqué se sentit pousser des ailes comme un mini pégase en compagnie de sa gazelle. Sa gaz pour lui, il engage le combat. Il abat du chinois et pollue la soupe de soja. L'attaque est éclair mais le massacre dure un temps pendant lequel les flics foutent le camp. Évanouissement, pillage et scène d'allégresse confèrent à l'événement ces quartiers de noblesse. Contre toute attente, le chien reprend le contrôle et ordonne qu'on épargne tous les vieux et les mômes qui soit ont dépassé, soit n'ont pas encore atteint l'âge de torcher son cul d'une seule main. Au café Loustalou, y'a pas de loulou, y'a pas de voyou, y'a pas de zoulou. Y'a un toutou du genre gros loup, un loup de Sibérie à qui faut pas parler de sinologie. Au café Loustalou, y'a pas de loulou, y'a pas de voyou, y'a pas de zoulou. Y'a un toutou du genre gros loup, un loup de Sibérie à qui faut pas parler de sinologie.